Le 1er février prochain, Samantha Markle publiera The Diary of Princess Pushy Sister, autrement dit le journal de la sœur de la princesse arrogante, en français. Dans son ouvrage de 328 pages, elle renouvelle de lourdes accusations envers Meghan Markle et promet de raconter les vérités cachées sur leur famille. Quelques jours avant la sortie très attendue de son ouvrage, la demi-sœur de Meghan Markle, qui ne rate jamais une occasion de la critiquer, a accepté d'accorder un entretien à l'émission française 50 Inside, diffusée ce samedi 16 janvier sur TF1. La journaliste a voulu savoir quelle est la relation entre Samantha et Meghan Markle, les deux demi-sœurs qui ont Thomas Markle comme père. Nous n'en avons pas. Elle n'a pas gardé de lien avec moi, pas plus qu'avec mon père. Si est-il vraiment triste, a lancé l'autrice du livre âgée de 56 ans. Si est-il à partir du mariage de l'ancienne actrice et du prince Harry, le 19 mai 2018, que Samantha Markle et Meghan Markle ont arrêté de se parler. Par ailleurs, la duchesse de Sussex n'avait invité ni son père ni sa demi-sœur, mais uniquement sa mère Doria Raglan, dont elle est très proche. Je peux juste vous dire que ce mariage n'est pas ce qu'il paraît être, je pose ça là, a lancé Samantha Markle à la journaliste. Meghan Markle pas très sereine. 17 ans d'écart séparent les deux femmes. Et pourtant, Samantha Markle explique avoir beaucoup de souvenirs d'enfance avec sa jeune demi-sœur. On passait du temps ensemble dans la semaine. Je la déposais à l'école, on faisait des activités le week-end. C'était une relation normale entre sœurs, a-t-elle expliqué dans l'émission de TF1. Si Samantha Markle et l'épouse du prince Harry étaient proches à l'époque, désormais ce n'est plus du tout le cas. En attendant la publication du fameux livre, Meghan Markle se rongerait les sangs. Selon ses proches, la duchesse a l'estomac retourné par cette nouvelle attaque. Cependant la mère de famille de 39 ans ne se montrera ni contrariée ni ennuyée par cela en public, comme l'a assuré l'un de ses proches. Et son époux la soutient à 100%.